Des Sikhs canadiens ont organisé de petites manifestations devant les missions diplomatiques de l'Inde. Ces manifestations interviennent une semaine après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a accusé les agents du gouvernement indien d'être à l'origine du meurtre d'un dirigeant sikh sur le sol canadien. Des centaines de manifestants se sont rassemblés à l'extérieur des consulats indiens de Toronto, Vancouver et Ottawa pour protester contre la mort de Hardeep Singh Nijjar. Le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a également appelé le gouvernement indien à coopérer à l'enquête. Et l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, a déclaré à CTV News que le Canada avait reçu des renseignements de la part de ses partenaires des Cinq Yeux avant les allégations de Trudeau concernant l'Inde. Le gouvernement indien a catégoriquement rejeté cette accusation tout en accusant le Canada de servir de refuge aux séparatistes anti-indiens sur les territoires canadiens. Au milieu des querelles diplomatiques entre les deux pays, la principale agence d'enquête d'Inde a confisqué les biens d'un autre séparatiste sikh de premier plan et proche allié de Nijjar. Nijjar était un fervent partisan du mouvement indépendantiste du Khalistan. Il a été tué en juin dernier par des inconnus en Colombie-Britannique, au Canada. Les accusations du Canada ont déclenché des représailles, chaque pays expulsant des diplomates et New Delhi suspendant les visas pour les Canadiens.